Yo, toute nouvelle vidéo, composition France vs Pologne. On va faire que la France et on va regarder les buts qu'ils ont marqués, les buts encaissés, le classement. Alors, Loris au goal, comme toujours, avec Jules Koundé défenseur, avec Raphaël Varane et Dayot Upamecano. Ils vont jouer en 3-5-2, donc je pense. Théo Hernandez en piston. Milieu terrain, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé en piston. Pas trop jouer en piston, lui. Griezmann, milieu offensif. Avec Mbappé en pointe. Et avec Olivier Giroud. Je vous parlais vite fait de la photo que la France ont fait pour remercier la photo avec leur maillot où ils ont débuté le foot. Il n'y avait pas. Comment il s'appelle? Guendouzi, parce qu'il est formé à Paris et c'est un Marseillais pour pas faire de polémique, c'est ridicule, mais voilà. Alors, mince, pourquoi j'ai tapé la France? Donc, la Pologne, on finit deuxième de son groupe. Et ça bug, bien sûr. Ok, attendez, ça bug. Ils ont. Ok, c'est bon. Ils ont. Tac, ils sont. Ils ont un match gagné, un match nul, un match perdu, deux buts marqués, zéro. Attends, deux buts marqués, deux buts encaissés. Donc ça fait un total de 4 points. Ils ont gagné. Combien de... Ils ont gagné lesquels matchs? À pers match. Attendez, ça bug. Non, oh là là. Ils ont fait match nul face au Mexique. 2-0 face à l'Arabie Saoudite avec Szczęsny et Robert Lewandowski. Et face à l'Argentine, ils ont fait quoi déjà? Attendez. Face à l'Argentine, ils ont perdu 2-0. Donc voilà, ma prédiction, c'est 3-1 pour la France. Donc dites-moi dans les commentaires, on se revoit pour une toute nouvelle vidéo demain. Allez, ciao!